Bien le bonjour à tous, c'est Ultimate John Doom pour des infos et aussi d'autres jeux live que je vais ajouter sur la chaîne prochainement. Mais il y a un autre truc que je devrais m'excuser aussi, c'est aussi des raisons à cela que j'avais pris l'initiative beaucoup trop vite, que vous allez le découvrir ici. Tout d'abord, comme je l'ai dit dans la vidéo, la dernière vidéo de la partie 9 de Kingdom Hearts 3, j'avais dit que je vais refaire l'intégralité de Kingdom Hearts, du premier jusqu'au du Ancient of Memories et aussi le deuxième, simplement pour refaire en live toute la partie de Kingdom Hearts, l'intégralité. Et que je les mettrai avec plaisir sur ma chaîne pour pouvoir réduire un peu les vidéos que j'avais fait en enchaîné sans me préoccuper de mes débuts sur ma chaîne. Et que maintenant que j'ai décidé de refaire l'intégralité, je vais le faire avec plaisir pour les fans de Kingdom Hearts. Et il y a aussi un autre jeu que je vais refaire aussi en PS4. Il s'agit de Metal Slug, que je vais refaire l'intégralité en PS4 de live, bien sûr, pour vous montrer l'exemple du gameplay et du jeu avec les 83 abonnés que j'ai maintenant. Pour vous qui veulent regarder les vidéos et aussi réagir au live de Metal Slug, il n'y a pas de problème. Il y aura aussi un peu plus de dynamique et aussi quelques traductions des armes bonus qu'on peut récupérer dans le jeu, que j'en connais quelques-unes quand j'ai consulté internet, et aussi les traduire en français les noms de chaque arme bonus, et que je vais vous montrer avec plaisir futurement dans ma chaîne dans la trilogie Metal Slug du premier, deuxième X et le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et la double X, mais pas le 7 malheureusement, parce qu'en fait le 7 il était accessible avec Nintendo et que malheureusement je ne le ferai pas pour ma chaîne, et je ferai à la place le double X parce qu'il représente le même parcours que le 7ème. Et que ça sera avec grand plaisir que je mettrai sur ma chaîne. Avant toute chose, il y a une chose que j'ai fait exprès par initiative, mais je me suis même pas rendu compte que c'était inaccessible. J'ai supprimé l'intégralité de BioShock parce qu'en fait, je voulais prendre l'initiative de le faire en live. Et que malheureusement, je n'ai pas la possibilité de le faire en live sur YouTube parce que 2K a décidé de ne pas mettre l'accessibilité des lives sur YouTube. Pour des raisons quelconques, il y a peut-être des scènes menaçantes et même aussi dangereuses que ça peut provoquer des problèmes hors sujet des jeux vidéo que je ne veux même pas en parler ici. Et que j'ai pris trop vite l'initiative, que j'ai supprimé l'intégralité de BioShock sans faire exprès, et qu'il y en a une seule qui est particulièrement bloquée, de l'aperçu, et que il y en a quelques pays qui ne seront même pas transmis, et en même temps, j'ai pris trop vite l'idée d'effacer l'intégralité. Mais même si j'ai supprimé ces deux parties du jeu et que je n'ai pas fait aussi Infinite, qui est du même exemple que j'ai expliqué la dernière fois, que le premier, deuxième et Infinite, les lives par 2K sont inaccessibles et impossibles. Mais bref, pour d'autres jeux en live ou alors qui soient des enregistrements, je vous citerai dans la prochaine vidéo annonce. Que la passion Ultimate John Doom et jeux vidéo continue à tous.